Radio New Vegas, votre petite jukebox des terres dévastées du Mojave. Je suis Monsieur New Vegas, et je ne suis là que pour vous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette seconde édition consacrée à la plus grande convention de science-fiction du Mojave, située à Prime. Je rappelle que cette convention se veut tout d'abord familiale. Elle accueille de nombreux artistes, comédiens, cosplayers et autres artisans. J'aurai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur notre magnifique stand de New Vegas un artiste passionné du genre, cosplayer, qui ont fondé leur association Cause We Play. J'ai le plaisir de vous présenter notre stand aux couleurs de New Vegas, avec ici Monsieur New Vegas, le célèbre animateur radio de Radio New Vegas, une intelligence artificielle créée il y a plus de 200 ans, en 2077, et qui émet sur toutes les ondes du Mojave avec Radio New Vegas. Nous revoici, ici Monsieur New Vegas, et je sens qu'il y a de la magie dans l'air ce soir. Et je ne parle pas des rayons gamma. Vous savez, un jour j'ai testé mon charisme sur un testeur d'énergie vitomatique. La machine a pris feu. Très vite, d'autres classiques de la chanson. Alors, restez avec nous. Nous avons ici quatre lieux emblématiques du Mojave, avec d'une part la Sierra Madre, un lieu situé près du Grand Canyon, totalement en perdition, et qui coûte malheureusement tous les ans la vie de nombreux aventuriers. Vous avez entendu parler du casino de la Sierra Madre. Préservé, attendant que quelqu'un vienne l'ouvrir. Mais le plus difficile n'est pas de le trouver. L'important, c'est de savoir laisser tomber. Vous pouvez retrouver la photo du célèbre Joshua Graham, un ancien légat de César qui a malheureusement été vilipendé lorsqu'il a perdu la célèbre bataille du barrage Hoover. Juste à côté, vous pouvez retrouver également l'affiche du célèbre film All Bird Blues, notre petit clin d'œil au Grand Rien, cette fameuse région qui abriterait selon certains les plus grands et les plus anciens savants du pays. On y raconte même que certains auteurs de science-fiction y ont trouvé refuge pour la paix de leurs âmes. Enfin, juste en dessous, vous pouvez voir une illustration du célèbre et énigmatique Ulysse, lui aussi un ancien légionnaire de César, un éclaireur exactement, de la tribu de je ne sais plus qui, et qui a défié César en révélant des informations qui mettaient en péril toute la Légion. Ulysse est actuellement recherché par la Légion, mais également par la RNC, car il semblerait se cacher sur la ligne de partage où un arsenal nucléaire pèserait sur toute la région du Mojave. Et enfin, j'ai le plaisir de vous présenter les croquis de la célèbre artiste peintre La Mulas, qui est une aventurière récemment arrivée sur nos terres du Mojave et qui nous présente ici une faune particulière que nous avons le plaisir de côtoyer tous les jours dans le Mojave. C'est une artiste que vous pouvez retrouver sur de nombreux réseaux, tels que le réseau du rail, actuellement sur Boston, et où vous pouvez vous procurer ces magnifiques dessins. D'ailleurs, la Mulas sera l'invité du célèbre jeu Question pour des boulons que vous pourrez retrouver dans notre grand jeu de l'été. Sur l'ensemble du stand, le public a la possibilité de regarder nos toutes nouvelles émissions, jouer à des jeux de société, écouter de la musique ou encore découvrir de très anciens jeux vidéo rétro gaming. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui Benoît, qui fait partie de l'association Cause We Play, et qui va nous expliquer ce qu'est le cosplay exactement. Le cosplay, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas juste du déguisement, c'est la contraction de deux mots, cosplay et roleplay. Donc du coup, c'est le fait d'interpréter, jouer
le costume d'un personnage. Donc du coup, par exemple, je suis Superman, donc je vais pas mettre juste le costume, donc appelé communément déguisement. Je vais incarner le personnage dans la posture, dans la façon de parler, dans la façon de m'adresser aux gens et dans la façon de me tenir aussi. Donc c'est vraiment pas que du déguisement, c'est du costume. Certains sont faits main, d'autres sont achetés. Roleplayé, dont on interprète le rôle et la façon de jouer et de vivre du personnage. Benoît, vous faites partie de l'association Cause We Play, hein, qui a la particularité d'être une association caritative auprès des enfants malades. Est-ce que je me trompe? C'est même plus que ça. C'est effectivement un des aspects et des axes de travail sur lesquels nous, on s'est regroupés et on a fondé l'association. Si on va aussi intervenir auprès des personnes démunies en règle générale et laissées pour compte de la société. Donc effectivement, il y a les enfants, notamment les enfants malades dans les hôpitaux. Il y a aussi les personnes âgées dans les maisons de retraite. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément de domicile fixe à qui on peut venir apporter de l'aide. Donc c'est plus généralement créer du lien. On va utiliser le rôle du cosplay. On va créer du lien directement avec les personnes pour directement rentrer dans une bulle personnel, hein, plus ou moins en fonction des personnes, pour tout de suite créer du lien, pour pouvoir discuter et échanger avec la personne pour la sortir de son quotidien. Donc par exemple, si je prends l'exemple d'un enfant dans un hôpital, c'est pas forcément un moment qui est très joyeux pour lui. Certains ils ont des opérations, certains ils ont des séjours très longs en hôpital, en hospitalisation. Et du coup, on va rentrer, on va aller les voir, on va leur remettre une médaille de super-héros. Donc les super-héros vont remettre une médaille de super-héros aux enfants parce qu'ils sont super courageux d'être hospitalisés. Et du coup, on va créer, on va discuter avec eux, on va des fois leur remettre des petits goodies. Et du coup, on va leur faire... durant quelques minutes de visite, on va leur sortir du quotidien d'hospitalisation. Et c'est ça qui est formidable et qui est incroyable, et c'est toute la magie du cosplay, c'est qu'on peut être interpréter n'importe quel personnage qu'on veut, et du coup tout de suite rentrer dans la sphère de l'enfant et sortir tout de suite, l'extraire de la sphère hospitalière ou de la sphère telle qu'il est pour lui donner un petit peu de magie dans sa journée, quoi. Comment vous créez tous vos costumes? On a de la chance dans notre asso, c'est qu'on a à peu près tous les talents de craft, cosplay craft qu'on puisse avoir. On a des membres qui ont un talent pour travailler le papier, donc ils vont faire découper, coller, scotcher du papier pour fabriquer des armures complètes, parfois entièrement en papier. On a des membres qui font du tissu, donc ils vont coudre. Ils vont avoir du talent pour coudre différents types de tissus, tissus cuir, tissus simili, tissus normaux. On va avoir des membres qui vont travailler la mousse Eva. Donc la mousse Eva, c'est la mousse de tapis de yoga qu'on trouve chez Decathlon, généralement avec différentes épaisseurs. Ils vont pouvoir découper, coller en suivant des patrons pour former des armures complètes, par exemple de cosplay, quoi, enfin de personnages qu'ils veulent interpréter. On va avoir des membres qui vont faire de l'impression 3D, qui vont travailler aussi l'électronique, donc ils vont pouvoir fabriquer des répliques, des blasters avec des systèmes d'éclairage, de sonorisation, etc. Et donc tout ça, nous on a du bol, c'est que tous nos membres ont un par un, ou pour certains plusieurs talents, où ils sont capables de travailler tous ces aspects-là. Pour terminer, comment avez-vous découvert le cosplay? Qu'est-ce qui vous a amené au cosplay? Moi, je rêvais d'avoir un sabre laser, je rêvais d'être un jeune Jedi. Donc du coup, je suis arrivé dans le cosplay avec grâce à l'univers Star Wars et du Chevalier Jedi. Donc du coup, je me suis fabriqué mon sabre laser, et puis après derrière, je suis tombé dans la marmite, quoi, un peu comme Obélix. Et puis du coup, j'en ai fabriqué d'autres, j'en ai conçu d'autres. J'ai changé tous les éclairages, tout le système électronique à l'intérieur pour avoir toute une collection aujourd'hui de sabres laser. Donc je suis super content de les avoir, d'avoir la possibilité d'avoir des sabres laser comme je rêvais d'en avoir quand j'étais petit. Bon après l'association et la famille et puis toutes les activités de cosplay qu'on a autour, j'ai investi dans d'autres cosplays. Certains je me les suis cousus, fabriqués aussi et voilà, on a une petite garde-robe de cosplay qui commence à grandir petit à petit et c'est génial quoi, ça nous permet de faire des visites dans les hôpitaux, des visites auprès de personnes âgées, des visites au cinéma aussi, on fait toutes les sorties de films au cinéma pour récupérer des places pour les redistribuer à des enfants. Et du coup le but c'est vraiment de lier le cosplay avec, moi mon projet perso c'est de faire du cosplay perso et puis derrière aussi sur l'asso de diffuser un maximum, de capter un maximum de personnes pour mettre un petit peu de magie et de joie dans la vie des gens qu'on croise quoi. Merci beaucoup Benoît, merci Cause We Play. D'ailleurs j'aimerais ajouter que le stand de New Vegas est actuellement sponsorisé par Cause We Play. À très bientôt. Revoici le Monsieur New Vegas Show, l'émission qui, à mon avis, et je le partage, bénéficie du meilleur public qui soit. Un raid de négriers contre le camp de réfugiés de Bitter Springs a été repoussé par deux civils armés qui ont infligé de lourdes pertes à la Légion. Un groupe de créatures dangereuses a terrorisé les habitants dans une station de ski au nord-ouest. On ignore toujours la cause de ces attaques. Les ghouls sont partout!
C'est pas des ghouls. Alerte Sky, sinon tu vas finir en 4 heures. Pas des ghouls. Spoke to folks around here and didn't have too much to say. No one dared to ask his business, no one dared to make a sleep, for the stranger there among them had a big run on his hip. Big run on his hip. Big run on his hip. He made one final sleep when he tried to match the ranger with the bigger one on his knee. Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Vous êtes géniaux de nous écouter ainsi toute la journée. Ici Monsieur New Vegas, qui vient attiser les braises de votre passion.